4 ans de haut et de bas, 4 ans de joie, 4 ans de tristesse, car la vie ne fait pas de joie seulement, mais la vie c'est la joie et la tristesse, car il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'équilibre. 4 ans de dur labeur, 4 ans pour redonner de résultats, 4 ans grand goût, 4 ans soif de l'eau, 4 ans difficultés, problèmes avec direction, problèmes entre camarades, 4 ans problèmes pour payer l'école là, 4 ans, waouh, je dois dire 4 ans aujourd'hui c'est waouh, elles sont là, après avoir bouclé 4 ans d'études, c'est un jour qu'il faut célébrer. Mais on va vous présenter une personne qu'il faut dire que si nous avons parlé dans la créole, c'est une potomie dans l'école là. Pour réaliser ces 4 ans d'études, ces récipiendaires là, ce n'est pas vraiment seulement leurs travaux réalisés, mais il y avait un staff qui travaille. Malgré la pluie, malgré la boue, malgré la poussière, malgré les vents, surtout on connaît pour de paix, quand la pluie ne tombe pas, la poussière nous fait la guerre, mais quand la pluie tombe, la boue nous pousse à rester chez nous. Mais elles ont bouclé ces 4 ans d'études grâce à ce staff. Ce staff qui doit se présenter par notre bien-aimé cher Célestina Frédéric. On doit acclamer Célestina pour nous souffler et qu'il y a plus de monde qu'on est, mais Célestina n'a pas de faire. Merci mon compère. Et je veux dire bonsoir à tout le monde. Et comme le maître de cérémonie a déjà tout dit, je ne vais pas faire des répétitions, mais tout simplement je vais appeler les professeurs qui sont là parce que je vois que notre espace est un peu clairsemé, mais quand même ceux qui sont là, ils vont se présenter à tour de rôle et ils vont dire quelle matière qu'ils enseignent. Tout d'abord, nous avons le docteur Gérard Blanc, qui est le directeur fondateur. Je lui demande de gravir le podium. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. J'ai tellement de matière. Je ne sais comment commencer. Premièrement, en première année, c'est moi qui dispense le cours d'anglais, le cours d'anatomie, de physiologie, d'abréviation et le cours de... c'est tellement beaucoup, j'ai oublié. En deuxième année, gynécologie et obstétrique, troisième année encore en gynéco-obstétrique, en quatrième année, maladies contagieuses, IST, en sida, etc., etc. Par contre, j'ai pas mal de cours, j'ai oublié exactement combien de cours j'ai enseigné dans les 4 matières en première année et quatrième année. Merci bien. Et en second lieu, nous avons Miss Célestina Frédéric, votre servante, et comme directrice pédagogique. Pour ne pas dire que tout le monde ici me connaît. Et normalement, du moins présentement, je suis plus à bord de pair pour des études. Parce que je suis en train de faire une spécialisation en anesthésiologie à l'hôpital universitaire de Mirbalais. Je vais faire la troisième année. Je suis maintenant étudiante,
Mais quand même, à distance, j'ai tout arrangé avec Dr. Blanc. J'avais l'habitude d'enseigner le nursing de base, l'histoire de la profession, hygiène personnelle, et puis éthique professionnelle, et enfin, nursing médico-chirurgical. C'était en première et en deuxième année. Mais pour le moment, il y a d'autres personnes qui assurent la relève. Et nous avons mis Justine François. Elle est brouillée par son absence. C'était l'assistante directrice pédagogique. Nous avons Madame Luce Pinchina, la secrétaire, qui ne se porte pas bien pour le moment. Elle n'est pas présente ce soir. Et nous avons Docteur Ruben Pierre. Je ne sais pas s'il va arriver ou du moins s'il est absent. Et nous avons le docteur Kerly Pierre, qui n'est pas là non plus. Nous avons docteur Eric. Ok, il n'est pas là. Le docteur Rosner Joseph. Qui n'est pas là. Le docteur Eddy. Docteur Eddy. Oh oui, il est là. Il arrive sous vos applaudissements. Nous avons Monsieur Yves Philomène Routier. Monsieur Routier. Oh, malheureusement, il n'est pas là. Nous avons Miss Ivoz. Peut-être qu'elle est en retard. Nous avons Miss Colen. Miss Nerland. Miss Tidor Joseph Eliette, malheureusement qui ne se porte pas bien. Elle a eu une chute et malheureusement elle a eu des fractures. Elle ne peut pas être là. Mais je dois vous dire qu'elle était là depuis le début, depuis en 2010. Nous avons M. Clairville. Est-ce qu'il est là? M. Jimmy Daly. Il arrive sous vos applaudissements. Cette année-là, on a fait appel avec moi comme professeur d'informatique. Donc, je dis pas ça pour ce qu'il y a à répondre. Nous avons Maître Fresnel Durosier. Il est là. Monsieur le révérend Anatole Alexandre. Il n'est pas là. Monsieur Joël Caprice. Et puis Monsieur Alcide. Et enfin, Monsieur Ifren. Bon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vraiment ils sont en retard ou du moins est-ce qu'ils n'aiment plus ces étudiants parce que les étudiants vont laisser l'école? Je ne sais pas si c'est si ça est dû. Ils ne veulent pas pleurer ici. Bon, peut-être, mais quand même, et
ceux qui sont là, vous avez la chance de les voir. Et je vous demande de prier pour l'institution afin que Dieu puisse garder les professeurs, parce qu'il n'y a pas d'école sans professeurs, il n'y a pas d'école sans élèves, et de plus, il n'y a pas d'école sans parents. Alors, je vous remercie de votre écoute. Les professeurs sont tellement intelligents. Ils ne veulent pas crier ici, hein, pleurer, trop de tristesse. Ils vont laisser savoir que un docteur blanc tout seul de pleurer, hein, aujourd'hui, mais pas à eux. Normalement, on ne présente pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je dois laisser le champ à notre cher directeur de présenter Monsieur Justin, dans un instant, mais c'est au directeur de faire la présentation. Alors, c'est un étranger. Je vais parler anglais avec qu'il puisse le comprendre. Et je demande à Frère Chichi de monter pour nous sur le podium afin qu'il puisse traduire pour nous pour l'Assemblée, s'il vous plaît. Today is a pleasure for me. Because I see Mr. Justin and Mrs. And Mrs. Morgan. Parce que moi, Monsieur Justin et Madame Morgan. Madame Morgan. They live in USA. You are vivo aux États-Unis. They come here. Et ils ont vu. Et ils ont été rencontrés ensemble. And they told me. Et ils ont été dit moi. The organization will let them come here. Organisation qui permet de venir là. They're gonna talk to them. Et ils vont parler avec eux. To see if in a day. Et pour capable si que. In a day. Si un jour. They can pay the teachers of them. Où est-ce qu'on joue car ils veulent payer? And we're gonna pray in that. Et nous allons prier sur ça. Because I would like that happen. Parce que nous t'as vraiment aimé moi ça réaliser. You know we are in the poor country. Et nous connaissons que nous avons nos pays. The parents that have money to pay the tuition. Et parents nous pas vraiment aimé. If I get a thing like that, I will see that it breaks up from the school. And they also told me, you did it too. And in that promotion, they're gonna hire one or two for me. That's the reason why I asked them to come forward. Et ça, and they will tell you exactly who they are. Et exactement qui les and exactly where they come from. Et exactement, qui exactly why they are here. Et qui fait que vous là. And what they are. Mr. Justin, and I would like you to come forward, please. Et la main de Yo, capable de passer par le temps. Bonsoir. Bonsoir. I'm Justin Dunway. Et moi, je suis Justin. Et moi, je suis Wilmington. Et we are the founders of Stand the Haiti Project. Et donc, c'est fondateur et un projet en Haïti. You may have recognized us with a name from the clinic down the street. Et on capitaine de connaître nous à partir de nos clinique qui est dans la rue là.
We come to Haiti 3 times a year with large teams of physical therapists and nurses. Et nous souvent venons en Haïti avec une grande équipe qui vient comme thérapeute physique. To treat the people of Haiti that are in pain and lost limbs or are sick. Et comment guérir, traiter le monde et les douleurs physiques, ok, les problèmes pour le marché. And we would invite you. Et nous t'avons invité où? If you have any pain or injury. Et si vous avez n'importe douleur ou bien n'importe blessure. Or no children that have problems. Ou bien vous avez quelques petits monde qui a un problème. To come to our clinic in the next 2 weeks. Et la semaine prochaine, nous allons passer où nous dans le clinic. We would love to see you. Et nous t'avons aimé où nous là. Our dream for Haiti. Et rêve que nous gagnons pour Haiti. Is for the people of Haiti to have access to the health care that they need. Et c'est pour que les gens qui arrivent en Haïti capables d'avoir accès à la santé, à des moyens pour capables de soigner des troubles et aux malades. Et qui est en capacité ça, le bon dans tout ça, le bon. And watching you grow and progress first as students. Et nous avons gardé nous comment que nous avons grandi, nous avons progressé. And now as clinicians. Et qu'on y a, nous vivons dans le dernier monde. Et dans le monde. We are very proud of what you contributed, even just a little. Et nous sommes très fiers du fait que nous avons contribué, même si c'était un petit classe. To the creation of the nurses that are on the stage today. Et à la création de l'école, ça, et je dis, qui l'a joué. We provide much needed care to the people of Haiti. Et qui a pouvoir en pile soin, qui a pas en pile soin à nous, et qui a même en Haïti. With their new knowledge, avec nouvelle connaissance, comes new responsibility. Et nous parlons de nouvelles responsabilités. They are now leaders in the community. Et on a aussi des leaders dans la communauté. Hein? And people will come to them for help. Et nous parlons de venir côté nous, capable de jouer de aide nous. And with questions. Et capable de poser beaucoup de questions. And now they will be able to provide. Et on a même nous parlons de mesures. The assistance and answers that they need. Et répondre à la question que vous avez besoin. There will be questions. Et peut-être va y avoir des questions que vous ne pouvez pas répondre. There will be difficult moments when they do not know what to do. Et va y avoir des moments difficiles quand nous ne devons pas connaître qui ça va nous faire. That is why they must continue to learn. Mais ça c'est la raison qui fait nous avons besoin de continuer étudier, nous pouvons finir même. Et apprentissage, mais nous allons apprendre, c'est une façon ça nous allons grandir. Et plus nous allons apprendre, et nous plus en mesure pour nous aider l'autre monde qui est autour de nous. Et nous plus en mesure tout pour nous résoudre les problèmes qui sont dans la communauté. À travers tout ça. We'll find et malgré tout ça, nous avons des satisfactions. Et des travail tout pour nous faire. But you must remember that the goal will be to help others. Et mais nous devons songer que le but nous, objectif nous, c'est pour nous capables d'aider l'autre. Et nous besoin d'un peu de compassion. Songez que parce que nous, c'est nous qui avons souffert, nous-mêmes qui avons des douleurs. À travers parole nous et yeux nous, nous capables de montrer que nous vraiment souci de nous. Et lorsque nous sommes arrivés à nos phases, nous ne pouvons vraiment guérir, nous ne pouvons faire mieux. Même si nous n'avons aucun médicament. Si vous ne pouvez pas avoir aucune information, si vous montrez que vous vraiment succédé, que vous venez, vous connaissez ça va aider. Pendant que nous avons fait transition de apprentissage à travail, et nous reconnaissons que nous avons rendu famille et communauté en tout fier de nous.
l'amour grand. C'était la prestation de la chorale Guns Prophet Maship, prestation réservée dans la circonstance, chers amis. Jusqu'ici, elles sont encore des récipiendaires. Pour être gradué, il y a quand même des efforts à faire. Des efforts, mais pas tellement trop d'efforts, mais quand même l'effort fait l'effort. À présent, chers amis, assistons nos récipiendaires dans leur serment. Serment de Nightingale. Florence Nightingale, c'est la mère de toutes les infirmières du monde. Ça, on le sait tous. On ne peut pas être infirmière sans avoir entendu parler de cette Florence Nightingale. Est-ce qu'il doit avoir un arrangeur, du moins, vous allez vous mettre debout pour présenter vos serments, mesdames. D'accord. L'assistance, vous êtes priés de vous mettre debout aussi. Merci. Avec les mains levées, la main droite levée, et puis prononcez, mesdames. Alors, mesdames, une chose à savoir, lorsque vous levez la main droite, et surtout la cérémonie de graduation est ici dans une église, ça veut dire quelque chose. D'ailleurs, on peut constater en Haïti, et surtout à l'hôpital général, on constate des grèves par des médecins et des infirmières. Soyez juste afin de sauver d'abord la vie. Est-ce que vous acceptez avec moi, mesdames, messieurs? Est-ce que cette vie-là doit sauver d'abord la vie ou bien elle doit chercher d'abord avoir de l'argent? Qu'est-ce que vous préférez, la vie ou bien la vie? Si c'est la vie, applaudissez, vous pouvez, mesdames, messieurs, si vous aimez la vie. C'est intéressant. Et vous, mesdames, alors, vous constatez, elles ne sont pas d'accord à sauver d'abord la vie. Mesdames, est-ce que vous êtes d'accord à sauver d'abord la vie ou bien à gagner d'abord de l'argent? Si vous êtes d'accord d'aller sauver d'abord la vie, je veux vous entendre seulement vous-même à vous applaudir vous-même. Bon, c'est intéressant. Elle vient de s'engager devant Dieu devant la nation. Mesdames, messieurs, et nous venons d'entendre beaucoup de chansons par la chorale, beaucoup de gens qui ont parlé, mais c'est bien un moment très spécial. Un moment où nous allons entendre la musique. Alors, quand on parle de la musique, il y avait un musicien qui était mon ami, il m'a dit, comprends, quand la musique joue, on ne danse pas, on pleure. Et heureusement, ce soir, mesdames, messieurs, il y a une fanfare dans la salle. Il y a une fanfare qui va jouer pour nous. Et ceci, je vous souhaite bonne audition. Et moi, je vous reviens. Merci. Bye.
changement de corps, changement d'année, chers amis, comme vous pouvez le constater. Est-ce que je peux résumer que ce ne sont plus des récipiendaires après avoir sermenté mon cher Jean-Paul? Pas vrai. Je peux quand même les appeler des gradués, l'avouer que c'est un changement vraiment spécial d'étonge. Mesdames, mettez-vous, s'il vous plaît. Acclamons encore une fois les gradués, chers amis. Nous sommes arrivés à un moment très spécial là, dans cette cérémonie. On a prié dès le commencement, on a chanté la parole de Dieu. La chorale nous a encore fait entendre des cantiques tirés par les paroles de la Bible, des paroles sacrées. Et à présent, il est important d'entendre ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, pour un serment de circonstance, j'appelle monsieur Mr. Brad. Dans ses propos de circonstances, ainsi par l'Éternel, il va nous dire ce que dit l'Éternel cet après-midi. Acclamons, chers amis, Mr. Brown. And I thought, I need some more, I need more energy. Et je pensais, ah, j'ai besoin de plus d'énergie. So, as the weeks went on, et pendant que les semaines ont écoulé, I noticed something. Et on m'a dit que j'ai vu le marquer. I use markers a lot. Moi, j'utilisais marqueurs en pile pendant que m'enseignais. And when the visitors said that they had brought Dr. Blanc markers, et les visiteurs ont dit que j'étais porté des marqueurs pour Dr. Blanc. I said, Papa. Dit, ah. I understand. Dr. Blanc needs markers. Et comprendre que Dr. Blanc besoin marqueurs pour les capables d'enseigner. I now for my class. Special markers. Et marqueurs qui and so I put the marker on the board. The night before I was going to teach my first class. Et la nuit avant que m'enseigner premier cours. And after Dr. Blanc was finished teaching, après que Dr. Blanc ait fini d'enseigner, I began to teach my class. Et moi, j'ai commencé à enseigner comme moi. So I picked up my marker. And I began to write on the board. J'ai commencé à écrire sur le tableau. But my marker would not write on the board. Mais cependant, marqueur moi n'a pas de l'écrit sur le tableau. So I looked at my marker. Et puis And this right here that has the ink in it. Ouais, et it was gone. Et l'encre était fini. Disappeared. Disparaît. So I look inside my marker. It's way inside my marker. Et regardé dans marqueur là, bien loin dedans. I thought. Dépensé. What happened? Ça passé. So I went and got another marker. And I finished my class. Et puis moi j'ai fini enseigner cours. The next day I came back to class to teach. Et le deuxième jour que j'ai venu dans classe pour enseigner. I picked the marker up off the board. Et mon marqueur. I went to write on the board. D'aller me mettre sur tableau. Oh yeah. Oh yeah, back out. I look at my marker. Regardez marqueur. It's another marker. It's new. Oh, le marqueur tout neuf. It's gone. I look inside. It's inside. Way inside. Love you, little bit. That's not me. I'm crossing out. Or something. I said, man. So, the next day. Now, push it, you. I came early to my class. What a bonnet on that screen. And I watched Dr. Blanc teach. If you got it, the table, I was sitting. And he picked up the marker. Leave it alone, my guy. And he's talking like this. He's crossing. And then he wrote something on the board. And he said, "Do you understand this?" And everybody said, "Do you understand this?" And he said, "Do you understand this?" And he crashed the marker into the board. I said, "I know what's happening to my marker." Ah, okay. What was that marker? Dr. Blanc, he's crashing all my marker. So, Dr. Blanc, I have a gift.
gift for you. Pour prendre le terme là, bon c'est cadeau. Two brand new markers. Montez des maquettes pour vous. Somebody needs to tell Mr. Justin. Grand monde qui besoin dit Monsieur Justin. To send an entire boat full of markers. Pour porter un gros boîte qui plaît avec marqueur. Well, again, I'm very privileged to be here. Encore c'est un très grand privilège pour Kawabla. I just want to encourage you quickly. Et moi je voulais rapidement encourager vous. Graduates with a short message. Et nous-mêmes les gradués avec un message qui très court. And really, I wrote this message for these ladies. Et vraiment, moi j'ai écrit un message à nos intentions. Et les gratuits, ou bien l'honneur des gratuits. That we are honoring today. Et nous-mêmes qui nous honorons aujourd'hui. But I hope that we also can gain something from this. Mais espérons nous-mêmes tous les auditeurs, auditrices, nous capables de joindre un bagage de messages sacrés. What you have studied. Ce que nous-mêmes étudié. And the career that you are going to begin. Et la carrière que nous allons commencer là. Is very, very spiritual. Li très, très spirituel. I might even say that being a nurse or a doctor, une infirmière ou bien un docteur, you probably are in more spiritual moments than someone like me who teaches the Bible. Et probablement il y a des moments spirituels que vous avez passé plus que moi-même qui a enseigné la Bible. Because we all understand that when we are suffering, parce que nous tous comprenons que les noirs souffrent, or when we are sick, ou bien les noirs malades, we understand that we want Jesus near to us. Et nous comprenons que nous besoin Jésus tout près nous. We need His help. Nous besoin d'aide. And even though we have professionals, et même lorsque nous avons des professionnels, who have studied many, many years, qui ont étudié pendant des années, and who are very, very, very smart, et qui très, très brillants, très intelligents, we know that sometimes sickness, nous connaissons parfois maladie, can only be healed, les cas seulement guéris, supernaturally, et supernaturellement. Ça veut dire c'est pas à l'aide des médicaments. The early Christians understood this. Les chrétiens primitifs, ils étaient comprenants. A woman by the name of Saint Fabiola. Et il y a une dame qui était Sainte Fabiola. Was the woman who began the first hospital. Et c'est elle qui avait construit le premier hôpital. In Rome. Et à Rome. She did this. Elle était fait ça. Because she was a follower of Jesus. Parce qu'elle était un monde qui t'a suivi Jésus. You see, it was Christians. Et ouais, c'était les chrétiens. Nurses. Et qui étaient des infirmières. Who, while disease and plagues had come to Rome. Et pendant que il y avait des maladies qui étaient à Rome. And had killed many, many people. Et qui avaient tué beaucoup de gens. While all of these people's neighbors were leaving. Pendant que voisins ou bien monde qui était dans voisinage en pile ont déplacé. They were leaving the community because they did not want to get the disease that their neighbor had. Ils ont quitté la communauté parce que ils ont pas voulu attraper maladie que les voisins ou voisines ont gagné. It was while these people were leaving that the Christians were actually coming to these communities. C'est pendant que moun sa ont quitté communauté et que chrétiens eux-mêmes yo t'a rentré dans communauté. This actually surprised the emperor of Rome so much. Et ça fait vraiment un bagage surprenant pour l'empereur romain. That he had his people investigate these Christians. Et il a fait des mouns à investiguer auprès de chrétiens sérieux. And they asked them, if the disease is here, why are you coming here? Bon, si nous connaissons une maladie qui a tué les mouns là, qui vient faire nous revenir à nous-mêmes?
And they said, because our Lord and our Master said this. Et yo te répond, yo dit, c'est parce que Seigneur et Maître nous ont dit ça. No greater love. Pas gen li grand. Can someone have? Que yo moun te capable montrer ou bien que li gen. Than to lay down their own life. Que lè li bay, accepte bay pour la vie. For their friend. Pour zanmi yo. They told the emperor's investigators. Yo te di investigateur romain. Jesus taught us. Et c'est Jésus qui t'a enseigné nous. To love God. Pour aimer mon Dieu. With everything. Avec tout ça. And to love our neighbor. Et pour nous aimer voisin, nos prochains. As ourselves. Même Jean nous aimait tête pas. These first Christians understood. Premier chrétien ça y avait compris. Something that maybe. Yo bagay ki peut-être. Christians today have forgotten. Chrétiens aujourd'hui, yo t'ai oublié, yo oublié. That it is the sick and the suffering. Et c'est que c'est la maladie et la souffrance. Who need the reassurance. Qui besoin yo réassurance. That God is near. Que bon Dieu lui-même, lui tout près de nous, lui près de nous. What was Jesus often doing in his ministry? Dans le ministère de Jésus, qui ça était qu'on souvent fait? Qui ça était qu'on a habitué à faire? Who was he with? Avec qui monde qui était qu'on a habitué? He was often with the outcasts of society. Jou arrivé, kounye a, bon Dieu qui va dans ciel là, a vu grand pouvoir dans même. Tout le monde jeune bon Dieu, accepté bon nouvelle. What was the good news or the gospel according to Jesus? Qui ça l'évangile ou bien bonne nouvelle selon Jésus? If you ask people today, what is the gospel? Soudain de yon moun jodi a, qui ça l'évangile a, qui ça veut dire? They may tell you, yo ka peut-être dire ou, that Jesus died on the cross. Que Jésus est mort sur la croix. And if you believe this, et si ou même ou ça, you will go to heaven one day. Wa un jour a aller dans ciel. This is true. C'est vrai. But it's not the gospel according to Jesus. Mais selon Jésus, ça c'est pas l'évangile. According to Jesus, selon Jésus, the good news, et bonne nouvelle, the gospel, à savoir l'évangile, was this. Mais qui ça a été? That the kingdom of God, que royaume de Dieu là, has come. L'est venu. It's here. L'est là. So that makes us ask the question, what is the kingdom? Donc, ça fait nous poser question ça encore, qui ça va y avoir? As I was growing up as a young boy, pendant que j'ai grandi en tant que jeune garçon, I thought the kingdom of God was heaven. Et moi j'ai pensé que le royaume de Dieu avait dit ciel. But it's not true. Mais c'est pas vrai. Because Jesus says the kingdom of God is here. Parce que Jésus dit, royaume de Dieu là, ici. For Jesus, the kingdom of God. Pour Jésus, royaume de Dieu. Is any place that God is working through humans. C'est n'importe côté bon Dieu a travaillé avec ou du moins à travers des humains, des hommes. To accomplish His will. Pour capable accomplir volonté. Through His power. À travers puissance. Look at Matthew chapter 6. Faut regarder Matthieu chapitre 6. Il dit pas qu'il y a aucun grand bagage que nous capables faire. Only small things. Nous capables faire seulement de petites choses. With great love. Avec grand amour. I don't know what God has for you in your future. Et par contre, qui ça va dire pour nous dans l'avenir? And in your occupation as a nurse. Et ni dans l'occupation nous en tant que infirmière. But I want to encourage you. Mais je veux encourager. To follow an example. Pour nous capables suivre un exemple. Of someone like Mother Teresa. Et exemple de monde tant que Mère Teresa. Who showed people care. Qui t'a montré mon yo que li remè yo. Because she had medical knowledge. Parce qu'elle t'a gagné des connaissances médicales. But her care, her care went beyond medical. Et mais on connaît soin li au-delà, li dépassé et les soins médicaux. And she loved people. Et il dit même mon YouTube. When no one else wants to love. Lorsque tu gagnes des mots, il va te le remettre. I want to close by saying that. Moi, je voulais finir en disant. We are very proud of your accomplishment today. Nous très fiers des accomplissements aujourd'hui. I personally would like to thank you. Et personnellement, moi, t'as bien remercié. In advance. Et d'avance. For all the help that you will bring to this community. Pour toute aide que nous va porter à la communauté ça. And to this nation. Et à la nation ça.
You're very important to us. Et nous très important pour nous. I want to encourage you. Et moi je voulais encourager nous. To follow Jesus. Nous sommes capables de suivre Jésus. Allow him to live in you. Quittez-lui vivre dans nous. And with you. Et ensemble avec nous. And through you. Et à travers nous-mêmes. So his kingdom can come. Afin que le royaume n'y soit capable de venir. And his will be done. Et volonté n'y soit capable de faire. In the Northwest Haiti. Dans le département du Nord-Ouest. As it is in heaven. Et même j'en ai fait dans le ciel. God bless you. Que bon Dieu vous bénisse. We say thank you to Mr. Brad for his very, very, very short speech. Your speech was very, very short. Thank you for that. Maintenant, nous allons continuer, mesdames, messieurs, avec la programmation, comme on voit que l'heure arrive déjà. Je veux remercier monsieur Brett parce que vous dites discours là, un message là, coûte, et c'est ça, nous le constatons. Normalement, c'est bien le moment de la passation du flambeau, car on sait bien que la promotion va sortir, mais la flamme va rester allumée à l'intérieur de Eagle International College. So, en ce moment, c'est bien le moment est arrivé de voir la flamme qui doit encore rester allumée à l'intérieur. Donc nous demandons aux opérateurs d'éteindre les lampes, s'il vous plaît. Nous allons voir seulement la lampe de Eagle International College. C'est seulement la lampe, cette flamme que nous allons voir. Est-ce que ce n'est pas possible d'éteindre ces lumières qui sont ici sur le podium? C'est pas possible de les éteindre aussi? C'est bon, merci. C'est intéressant, mesdames, messieurs, de constater cette partie importante dans la programmation de ce soir. C'est que la passation de flambeau, si vraiment cette promotion part avec la flamme, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme si le collège n'existe plus. Mais la flamme doit rester à l'intérieur du collège. C'est pour cette raison nous allons constater cette partie qui est une partie très, 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 très importante. On s'arrange, est-ce que je dois venir vous aider? Est-ce que Miss Elle ne peut pas venir aider Docteur Blanc? Je salue tout le monde, je salue de façon spéciale le directeur des AMS qui est là avec nous. Étudiants de l'école. Vous êtes prié de passer ici justement pour venir réclamer, pour venir prendre cette flamme. Oui, comme tu viens de le dire, mon cher Paul, il faut que la seconde, disons, la troisième promotion qui doit suivre et la deuxième promotion doit venir pour prendre, pour recevoir la flamme. Parce que la flamme, comme tu viens de le dire, doit rester allumée, mon cher. Si la flamme part, c'est comme si le collège n'existe plus. Ah oui, et ça doit se faire par une chanson. La chanson, c'est un malheur allumé. Ah oui, c'est un malheur allumé. Sous la direction du docteur Gérard. Thank you.
Vous savez, cette chanson fait tristesse. Cette chanson me pousse à pleurer. Mesdames, messieurs et dames, comme il y a un gars dans cette émotion, n'oubliez surtout pas, la chanson vient de le dire, que la flamme est si fragile, cher Jean-Paul. C'est une flamme fragile, car il y a beaucoup de vent dehors. Vous devez tenir de la flamme. Et je pense que la présidente de la promotion doit présenter des mots pendant qu'on va passer la flamme à la promotion suivante. De passer ces 4 ans à l'École International College. Aujourd'hui, le temps est venu pour nous prier la guerre. Nous vous remettons, nous voulons vous remettre le flambeau. Nous voulons vous remettre le flambeau. Tenez-le bien haut. Gardez-le bien. Faites un bon usage. Là où que vous soyez, faites-le bien. Tenez-les bien haut afin que Dieu puisse briller là que vous soyez. Les mots de la présidente de la promotion sortante et enfin les mots de la présidente de la nouvelle promotion qui doit prononcer ces mots également. Au nom de la promotion Excelsior, j'engage à recevoir ce flambeau afin de le faire luire sur l'école infirmière de l'aide internationale jusqu'à lycée à son plus haut niveau. Merci. Merci, chers amis. Acclamons chaudement la promotion Omega François qui vient de remettre la flamme de l'Ego International College à la promotion Excelsior. Comme c'est faible, waouh, la lumière lui a son light maintenant. La flamme de Eagle Nicolas International College. Tenez-le bien. Et enfin, voilà. Wow, Guinan qui vient 3 flammes, Guinan qui vient 2, c'est pas des bonnes gens qui peuvent faire comme ça, pensez que c'est significatif. Wadine, tu as 3 flammes, tu dois te dire, Guinan qui te mourit, non? Et puis on mourit, il y a un problème là. Ok, d'ailleurs, nous pouvons mettre dans la vie de nous. Mesdames, Messieurs, maintenant il arrive le temps, jusqu'avant de prendre la deuxième partie. Il y a 2 parties plus importantes et 2 autres parties plus importantes. La première partie, c'est d'abord la passation de flambeau, parce que la flamme doit rester allumée. La seconde, c'est bien la remise des parchemins. Mais les 2 autres parties, c'est bien le discours du directeur général et le discours du parrain. C'est pour cette raison, mesdames, messieurs, bien que pour l'instant ce sera le discours du parrain, il y a une chose que vous devez savoir. On dit toujours qu'il faut honorer une personne honorable. Docteur Blanche, j'ai pas de mots pour vous féliciter le fait de choisir une personne exceptionnelle, une personne qui n'est pas comme les autres. C'est bien l'ingénieur Daniel Dubiton, l'un des plus hauts gradés de l'école de droit et des sciences économiques d'Ingolaïve, que je vous demande d'applaudir, mesdames, messieurs. C'est le parrain de la promotion, comme le père parle à ses enfants. C'est de même que le parrain a quelque chose à dire à sa promotion. Je vous laisse avec le parrain et je vous reviens après. Vous pensez parrain dans le libre, on dit tout ça à la dit. Je vous reviens après. Monsieur le directeur de l'Ego International, Madame la lauréate de la promotion, chers battus, chers parents, chers invités, à chaque fois que
je suis dans une graduation, surtout quand il s'agit d'infirmières. Étant l'un des deux personnes de sexe masculin à détenir la médaille de Florence Nightingale, à chaque fois que je suis dans une graduation, je vois toujours une femme avec une lampe allumée. Florence Nightingale avait toujours une lampe allumée. On voit toujours l'image de Florence avec une lampe allumée parce qu'elle travaille toujours la nuit. C'est une femme qui ne dormait pas. Mais dans une graduation en Haïti, on doit penser à une chose. On doit penser au mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Sisyphe, condamné à transporter un rocher au sommet de la montagne. À chaque fois que Sisyphe va arriver au but, le rocher roule et descend là. À chaque fois. C'est ça le travail des parents. Les parents sont condamnés à pousser les enfants au sommet. Avant de continuer, je demande un applaudissement sérieux pour les parents. Et surtout quand ce sont des parents, des enfants de la première génération, des parents dont les enfants fréquentent l'université pour la première fois. Au certificat d'études primaires, on pense que c'est fini. Alors ça vient de commencer. Au baccalauréat, on pense que c'est fini. Ça recommence encore. Après la graduation ici, on pense que c'est fini. Ça continue. Demain matin, ce sont les parents qui doivent s'arranger pour donner à manger à ses enfants. C'est ça le mythe de Sisyphe. On travaille tout le temps. On pense qu'on arrive au sommet. Et ça descend là. Surtout dans un pays où c'est un état qui vous fait penser à la Sibylle. Peut-être vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas comprendre, vous n'allez pas comprendre quand je dis un état à la Sibylle. Et un état à la Sibylle. Sibylle était enfermée dans une grotte. Sibylle était immonde. Et un jour, quelqu'un lui demande, Sibylle, qu'est-ce que tu aurais voulu avec elle? Elle a répondu, je voudrais mourir. C'est ça, l'état ici. C'est un état qui veut mourir. Mais, heureusement, les états ne meurent pas. Les états ne meurent jamais. C'est pour cette raison que nos continents existent. Un État qui ne peut pas nourrir ses enfants, qui ne peut pas donner de l'éducation à ses enfants, c'est un État failli, c'est un État en faillite. Quand on vit dans un État en faillite, un État qui ne peut même pas se défendre, qui ne peut même pas se défendre, un État qui ne peut même pas garantir notre sécurité, c'est un état faillite. Quand on a des enfants comme ça, qui vont travailler la nuit, même la nuit, pour sauver des vies, on doit se poser certaines questions. De quoi demain sera fait?
J'ai des enfants aussi. Je n'ai que deux filles. Quand je vois, surtout, quand on n'a pas d'enfants de sexe masculin, on vient dans une graduation avec des infirmières seulement. Je cherche un homme et je n'ai pas vu d'homme. Donc ça me fait penser à leur sécurité, à leur avenir, à leur futur. Et je suis dans l'éducation aussi. Je suis au courant, je sais la fidélité avec laquelle les jeunes veulent servir leur pays, aider leurs parents. On ne crée pas d'opportunités pour les jeunes. Nous vivons dans une société où la gérontocratie trône. Une gérontocratie jalouse de cette position. J'aurais voulu voir les rêves, chaque rêve de chaque gradué ici se réalise. Parce que chacun ici a un rêve. Le rêve de fonder un foyer, le rêve d'avoir des enfants, d'avoir des enfants à leur image. Le rêve. Monsieur, j'ajoute quelques mots en 3 secondes. Ingénieur Daniel Dubiton, c'est celui qui aime son pays. C'est pour cette raison qu'il se porte candidat à la présidence. Sur la partie CONAP, son numéro c'est 60. Mbavina ou Mando voter sénateur ou quoi que ce soit. Mais si vous voulez voir vraiment l'avenir de votre pays, je vous conseille de choisir Daniel Dubiton, que je vous demande d'applaudir encore, mesdames et messieurs. Merci à mon frère Paul. Et maintenant, c'est le moment de la remise des parchemins. Et ce sont des gradués, il faut quand même les considérer. Je vous aime tous, mesdames, vous êtes tous des gradués. Comme vient de le dire votre cher parrain, il faut agir avec amour. Vous n'allez pas avoir des clients, mais des patients. Et c'est la section de Miss Célestina et le directeur Gérard Blanc. Je vais quand même remettre les micros à Miss Célestina qui va citer les noms des gradués pour la remise des parchemins. Pendant que le parrain fait son devoir en donnant un baiser à chaque gradué ici présent. L'heure marche à grand pas. On ne va pas vous dire trop. On va appeler chaque récipiendaire et le parrain va remettre le parchemin au récipiendaire. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va appeler en tout premier lieu la lauréate de la promotion. Il s'agit bien de Orméus Nathalie, que je vous demande d'applaudir aujourd'hui. Est-ce une acclamation du lauréat, s'il vous plaît? C'est quelle la lauréate de la promotion? Acclamez-la encore une fois, s'il vous plaît. Encore plus chaud. Merci. Orméus Nathalie, lauréate de la promotion. On appelle Seymour. La deuxième lauréate de la promotion. Jean-Josmali. Thank you.
Georges, Marie et Bleu. On appelle Montauban Lovely. C'est Fleur qui arrive. Et un père pour nous donner les bras
car les montants sont remplis de honte. En tant que fils légitime, nous devons en bénéficier les mêmes droits, mais hélas. Quant à vous, cher Bacon, à la cérémonie de coiffe le 19 mai 2012, je vous avais dit que j'ai pas suffisamment de mots à vous féliciter de par votre bravoure, sans hésiter de me confier vos fils et vos filles. Je vous avais dit une seule chose que je vais vous dire, vous avez fait un bon choix. Voilà aujourd'hui le choix que vous avez fait. Félicitations. Laisse-moi vous faire l'histoire de l'Union International College, parce qu'on me traite comme un fou, un déporté du fait que j'ai laissé les États-Unis d'Amérique pour venir implanter une école de filière de ma ville natale. Une ville qui est négligée en tout et par tout le monde. Alors, je m'excuse pour vous expliquer le parcours. Comment IGO International est venu implanter ici dans le Nord-Ouest. Je me rappelle quand j'étais en deuxième année de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontologie à Port-au-Prince. En deuxième année, on devait nous donner un cours de virologie. Mais il n'y avait pas de virologue en Haïti. On fait venir un Canadien pour nous dispenser ce cours. Votre cérémonie de coiffe, que vivre, c'est lutter. Si votre vie n'a plus de sens que de la lutte, et si votre famille est de la lutte, faut vous prenez la force de la lutte sur les ailes. C'est pour pouvoir poser un défi à l'angoisse et à la fébrile. Maintenant, le moment est arrivé où nous devons remercier premier bon Dieu, nos professeurs, les parents et amis qui nous aident, nous supportent, nous encadrent pour que nous puissions atteindre notre exception. Merci. Beaucoup de courage. Le docteur Blanc Gérard Douze, vous avez entendu, mais il mérite encore un plus grand applaudissement, chers amis. Il doit avoir un autre programme dans l'espace. On doit laisser. L'heure déjà nous fait défaut. Pas vrai, docteur Blanc? On devait déjà quitter l'espace. Et c'est la raison pour laquelle il y a d'autres programmes qui ne circulent pas vraiment. Il y avait des chants spéciaux et un autre discours, mon Dieu, comme leur fait défaut, on ne peut pas continuer. Après avoir entendu le docteur Blanc, le directeur de cette institution, que faut-il dire? Que faut-il dire? Sous la direction du maestro, on va chanter. Le chant qui va faire pleurer. Est-ce que je dois laisser le temps pour ne pas pleurer moi également? Waouh! Les enfants de Dr. Blanc vont dire au revoir à leur cher directeur. Est-ce que Dr. Blanc est prêt pour le revoir? On ne sait pas. Il est prêt. C'est la vie, et c'est pas la vie, mon cher Paul. Quand il y a un commencement, il faut qu'il y ait un fin. Ok.
Et on dit toujours en toute chose, la fin est toujours la plus importante. On peut constater des gens qui pleurent, mais non, c'est pas une pleur négative, mais quand même, c'est l'émotion. C'est l'émotion, on peut constater toutes ces choses. D'une part, elles ont raison de pleurer, elles ont raison de rire, parce qu'après 4 ans, et c'est constaté, docteur Blamaradi, regardez-nous là, c'est le rapport de l'Angélie. Après 4 ans, on a fait ensemble avec eux, et maintenant, ils sont partis, et ils vont partir à jamais, et bon, c'est bon de le faire. Ok, merci. Non, mais la radio, le mot, s'il vous plaît, remontez. On n'a pas encore terminé, mais que c'est la fin. On a de la fin, mais on n'a pas encore terminé. Un spécial au revoir. Oui, on va faire ça dehors. On laisse, et puis les prises de photos, on va faire ça dehors. Et puis on laisse la salle pour le programme. Merci de m'avoir accepté tel que je suis. Malgré les imperfections, mais quand même, je vois dans vos visages, il y a vraiment de la bonne réflexion. Merci encore une fois. Je pense que n'a fini dans Eagle International College. Est-ce que ça ouvrit, docteur Blanc? Il a ouvert ses premières écoles infirmières qui est là. Et nous gagnons deux diplômes de Nabao. Et physical therapy et puis nursing.